Congo dialogue.com. Congo ma solo. Congo go solo là. .com. Kitoko, kitoko, kitoko. Bobby Ronaldino, le King is back. Bolandara mingi mingi. Congo dialogue. Congo dialogue. Francine Ngembe, mission à .congo dialogue. Retour au plateau, mesdames et messieurs, le débat commence déjà avant l'émission. Vous avez remarqué du bruit chez vous déjà à la maison, mais en même temps, nous sommes en train de ces matins à déjeuner, hein, comme on dit souvent, hein, ensemble. Bon, si vous voulez bien, nous sommes à table déjà pour commencer cette tranche animation Carrefour Politique. Et on va voir ces jolis décors, hein, et n'est-ce pas, Dada Chabani Kandolo. Allez, lundi, moi, coucou, ma case, il y a Kofi Olomide. Je salue. Hein. Prochainement, on va mettre ces titres pour ton plaisir. Voilà. Retour au plateau, mesdames et messieurs. Nous allons commencer cette première partie avec les questions préliminaires. Et surtout, rappeler que nous avons nos invités déjà sur ce plateau, mais les Espagnols aussi également disent mucho, mucha palabra. Mucho, mucha palabra, qui veut dire tout simplement beaucoup de chaleur, beaucoup de paroles. Donc, nous aurons une grande chaleur de débat avec nos invités co-débatteurs ce matin. Nous avons un réel plaisir de vous présenter M. Gédéon Colella, l'éclectique, hein, et c'est ça, hein? Oui, oui, bonjour, bienvenue. Oui, comment vous allez? Je suis très ravi pour votre invitation. Je m'excuse parce que à deux fois, je n'ai pas pu répondre. Mm-hmm. Et que ceux qui sont aussi préférables à moi, qui m'excusent. Et sinon, je salue les co-débatteurs pour lesquels je connais les uns les autres, que nous allons quand même faire un bon débat. Donc, pour édifier notre... Surtout que ce casting également est un choix de mes téléspectateurs souvent. Oh. Mais bon, mais il faut dire, hein, voir le retour d'un invité ou le visage. Mais bon, on va dire que ça dépend de mon téléspectateur. Alisson Gaïmé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, cher Tony Coco. J'ai toujours dit que c'est un réel plaisir de se retrouver ici. Tony Coco, pour moi, c'est une marque de considération. M'inviter sans arrêt, c'est une considération. Permettez-moi, Tony Coco, de glisser juste un petit mot. Un certain vendredi 25 juin 2021, il y a eu conseil des ministres dans ce pays. Au cours de ce conseil des ministres, on a pris des décisions pour réduire le prix des denrées alimentaires. Le 25 juin, il a été clairement dit qu'un carton de poulet se vendrait désormais à 10 dollars. Ça, c'est le conseil des ministres. Plus d'une semaine après, plus de deux semaines après, mais je me suis rendu compte que ces décisions n'ont pas produit de résultats. C'est pourquoi on se pose la question, là où nous sommes, comment est-ce qu'un conseil des ministres, qui est un organe suprême, un organe important dans la gouvernance, on puisse produire un compte rendu avec des prix, et plus d'une semaine après, on vend toujours un carton de poulet à 28 dollars. Un carton de chinchard, c'est à 43 dollars, alors qu'on nous avait promis à 17 dollars. Le conseil des ministres, est-ce que c'est un conseil des ministres fantaisiste? C'est un conseil des ministres populiste. Pourquoi aller dans de telles décisions alors que dans les faits, c'était d'une manière spectaculaire. Hein? Nous avions vu dans les réseaux sociaux, désormais vous achèterez un carton de poulet à 10 dollars. Donc ce qui revient à dire que rien n'a changé sur le plan social. On m'a dit de le dire, de rappeler, au moment où si vous avez oublié cette décision du conseil des ministres, de vous le rappeler. Où sommes-nous avec ces décisions? Qui vous a dit de rappeler? C'est là que nous sommes avec le peuple, surtout les gens de Delvaux. Je parle de, moi, je vis vers Delvaux, vers Ipen, les amis de Delvaux, Sangamamba, ainsi de suite. Les gens, c'est un bon matin, messieurs, se promènent avec un 10 dollars, avec l'intention d'acheter un carton de poulet. Parce qu'il a suivi un conseil des ministres du vendredi 25 juin 2021. Mais curieusement, il n'y a aucun marché où on voit un carton de poulet à 10 dollars. Bienvenue. Et c'est une décision du conseil des ministres. Donc, à notre humble avis, nous voulons que nous puissions avoir de la transparence, de la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Il faut éviter des actions populistes. C'est une technique de salutation, monsieur, qui ne peut pas commencer à prendre voilà, je transmets la volonté du peuple. Ça reste là, les minutes, hein, donc son introduction, bien sûr. Ouais. Félix Aimé. Bonjour et bienvenue à vous directement. Nous attaquons, hein, commençons par cette page noire. Hein, et vous le savez, depuis hier, la République démocratique du Congo est dans les deuils. Avec la Dala, il faut dire le décès du cardinal Laurent Mosengo Fassinia. Que gardez-vous encore de lui comme souvenir? Merci beaucoup, mon cher ami Tony, pour l'invitation. C'est pour moi l'occasion de saluer ceux qui nous suivent pendant ces moments. Et je salue mes compatriotes qui sont à Mouenidito. Parce que c'est ma base et ces gens-là me suivent pendant ces moments. Bien avant que je ne réponde à la question que vous aviez posée,
Laisse-moi vous dire que mon ami Aristote vient de faire du théâtre dès les débuts de cette émission. Pourtant, je reconnais en lui un homme réfléchi. Ce conseil des ministres, il faut dire, c'était question de dire les vrais prix ou les prix intrinsèques sur les marchés. Ce qui doit être fait ici chez nous. Le ministre de l'économie avec sa délégation s'était déplacé pour la Namibie. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils se sont rendus compte que les prix sur les marchés chez les grands fournisseurs étaient de très loin par rapport aux prix qu'on vendait ici en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, tout calcul fait, l'on s'est dit, écoutez, avec ce qu'on achète à partir de là, et dès que ça arrive ici, on a réduit d'abord la TVA, ça il faut le dire, on a réduit la douane, il faut le dire, et on est dans les pourparlers avec la FEC pour que l'on puisse, bien entendu, avoir les prix réels sur les marchés. Et donc, j'en appelle à notre peuple à la patience, dissiper non seulement les prix de produits alimentaires, mais aussi, il faut dire, la baisse aussi des prix des billets. Ça doit avoir lié. Et donc, j'en appelle tout simplement à la patience à nos compatriotes. Ils sont dans les pourparlers avec la FEC. Même nos amis de Sangamamba, nos amis de l'IPEN, de Delvaux, savent très bien que les gouvernements congolais avec la FEC sont dans les pourparlers. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu un collectif de députés qui sont partis rencontrer le ministre de l'économie. Et ils sont sortis de là avec un certificat pour dire, écoutez, nous sommes convaincus que le prix doit baisser. Et aussi, il faut dire, vous savez, Ngarimé, je te donne l'information, quand tu dois te promener dans tous les points de vente des farines de Bukangalonzo, aujourd'hui, ça se vend à 22 000 francs. Ça, tu dois le savoir. Ça reste à vérifier. Non, moi-même, j'ai acheté, j'ai la facture. Nous irons après, ensemble. Oui, vous nous vérifiez. Irons ensemble. Okay. Parce que... Dans les Kassai, pour ton information, avec la farine de Kwadi, c'est à 23 000 francs. C'est que pour dire aujourd'hui, nous sommes en train de parler, les choses sont en train d'être revues à la baisse. Le président de la République, le vendredi, était à Kinkolé, où il a lancé encore cette activité de la pêche pour que nous puissions avoir les poissons à une quantité industrielle, bien avant que nous ayons les bateaux de pêche qu'on a déjà fait une commande. Et donc, je dis, il ne faut pas passer à la télévision pour mentir notre peuple, mais il faut donner la vraie version. C'est le conseil des ministres. Merci. Alors, c'est un avis. Alors, c'est le conseil des ministres. Oui, c'est très mal interprété les résolutions du conseil des ministres. Monsieur, il nous reste 5 minutes. Parce que là, on a affronté, bien entendu, la réalité sur le terrain et la réalité sur le marché. On a vite compris que le peuple congolais, s'il vous plaît, on a compris que le peuple congolais était dupé, tu vois. Et donc, nous étions escroqués par les opérateurs économiques. Raison pour laquelle, étant donné que l'État congolais, le gouvernement, a cette attribution, ce pouvoir de réguler les prix sur les marchés, c'est pour cela que ce conseil des ministres a été tenu. Et non seulement que ça a été tenu, on a été aussi. On n'a pas fixé les prix on est en train de réguler. Pour ton information, les opérateurs économiques font au moins 200% de bénéfices. Par rapport à la question, je chute par là. La page noire. J'étais révélisseur. Dans l'une de mes tribunes, je parlais de Laurent Monsengo. Laurent Monsengo, je l'ai connu par les biais de cette magie de la télévision. Lors de la conférence nationale souveraine, tout petit, j'ai resté encore dans les salons avec mon père quand Etienne Tshisekedi wa Mulumba devait être élu, voté comme premier ministre. Merci à la réalisation. Je vis comment est-ce que Laurent Monsengo pouvait relier l'utile à l'agréable, diriger les débats avec la haute intelligence, la haute sagesse. Et donc, moi je dis, la République a perdu. Je m'en souviens de ces grands messieurs que les médiocres les dégagent. Je me souviens de ces grands messieurs. Nous sommes des prisonniers à ciel ouvert. Je me souviens de ces grands messieurs, c'est de la logorée. Je me souviens de ces grands messieurs. Tony, il faut quand même rappeler que c'est Brazzaville qui a frété un avion médicalisé pour l'amener à l'extérieur. Je me souviens, bien avant. C'est Brazzaville qui a pris en charge. Mais bien, c'est laissé de nous faire bien des avant, bien avant que Monsengo. C'est Brazzaville. Bien avant que Laurent. C'est le gouvernement Brazzaville. Bien avant que je vois Etienne Tshisekedi wa Mulumba, les grands messieurs. Bien avant que Monsengo soit évacué, c'est Brazzaville. Le couple présidentiel
Les couples présentiels. Les couples présentiels. C'est un sujet congolais. Les couples présentiels. L'avion médicalisé. Oh, monsieur venait, dérangé. Venait de Brazzaville. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les couples présentiels. Avant que monsieur Ngone se déplace pour Paris, les couples présidentiels. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les produits finis de la République du Congo, avec Maman Denise Nyakeru, se sont déplacés pour aller voir Monsieur Ngo là où il était à l'hôpital. Et nous nous disons aujourd'hui, la République a perdu parce que cet homme parlait plus de 12 langues. Cet homme, encore à Kisangani comme Monseigneur, il arrive ici. Vous aviez dit comment est-ce qu'il a joué un rôle très pondérant dans le monde politique, que ce soit les opposants. Les Ngarim ici, que ce soit nous qui sommes au pouvoir de la majorité, il a su mettre tout le monde en place. Et quand Monsieur Ngo parlait, tout le monde écoutait et tout le monde obéissait. Merci, merci. Et donc la République, chapeau bas à son travail, chapeau bas à cet homme. Il nous faut encore beaucoup de temps pour avoir Monsieur Ngo. On n'a pas besoin de gens qui vont faire de la politique dans la religion, mais nous avons besoin de gens comme Monsieur Ngo qui pouvaient relier l'utile à l'agréable. Chapeau bas à Monsieur Ngo et nous disons merci pour tout ce qu'il a donné pour la République. Et la République lui est reconnaissante. La République aujourd'hui est en deuil. Nous plairons Monsieur Ngo. Et notre deuil sera le plus beau deuil de Monsieur Ngo. Le deuil où mais tout le monde doit se rencontrer. Merci, merci parce que il est là. Merci, médicalisé. Merci beaucoup. Congo Brazzaville. On va rappeler qu'aux grands hommes, la patrie reconnaît. Tu as dit le Congo Brazzaville, c'est le Congo. Monsieur Gédéon Kolela, avec le cardinal Monsieur Ngo, alors Monseigneur l'archevêque de Kisangani, notre pays a lutté pour s'ouvrir, il faut rappeler, à la démocratie, car il faut rappeler également qu'il était de novembre 1991 à décembre 1992, alors, président du bureau qui a dirigé la Conférence nationale souveraine. Alors, puis il a dirigé également le Haut Conseil de la République parlement de transition jusqu'en 1995. Ma question, que dites-vous par rapport à toutes ces charges politiques? On revient juste après la page publicitaire, bien sûr. Voilà, retour au plateau, chers invités. Vous savez, monsieur, il y a certaines rubriques. Il faudrait tout simplement, du fois, comprendre aussi, fidèles téléspectateurs. Retour au plateau. Maître Gédéon, vous avez la parole. Messieurs Monsieur Ngo, nous gardons une très bonne mémoire pour cet homme. Il a fait son temps, le beau temps. Je pense que Dieu avait donné, Dieu a repris. Pour moi, Monsieur Ngo, effectivement, il sert de l'encyclopédie. Pour nous qui avons été au moment de la conférence nationale, quoi qu'on était trop jeunes, c'est ces jours-là qu'on a vécu les débats démocratiques où vous verrez vraiment qu'il y avait le débat basé sur le fondement idéologique, pas des choses qu'on voit aujourd'hui où il y a beaucoup plus de partisans qui veulent se tailler une place dans l'opinion publique. Mais sinon, on a connu des grands politiciens, c'était quand cet homme a été aux commandes de la Conférence nationale souveraine. Bien entendu que la tâche n'était pas facile pour lui, parce qu'il faut reconnaître que dans chaque homme, il y a des faiblesses, il y a aussi des points forts. Donc, la Conférence nationale souveraine a pris beaucoup de temps et que ça ne s'est pas bien soldé jusqu'à ce qu'ils ont créé encore HCP, je me souviens, où Monsieur Ngo a continué à être président de cette chambre-là. Malheureusement, on nous a proposé à cette époque-là la troisième voie. Et nous, étant qu'étudiants à cette époque-là, on n'a pas été contents. On a fait une marche protestée contre la décision de cardinal Monsieur Ngo. Mais sinon, depuis tout ce temps, il est resté une référence. Je pense que pour moi, cardinal ne mérite pas d'être plairé. Donc, cardinal, il faut les célébrer. Et il reste... Vous savez, les hommes comme eux qui ont laissé des marques indélébiles. Donc, on doit toujours beaucoup plus vivre cardinal quand bien même il sera... moi, je ne crois pas parce qu'il doit passer par le jugement. Comme les gens disent qu'il sera au ciel. Ça, c'est Dieu seul. À Dieu seul que revient les derniers mots. Mais sinon, si nous tous, nous aurons la possibilité un jour de nous rencontrer au ciel... On va revivre cardinal, quoi qu'on ne va pas se souvenir de ce qui se passe sur la terre. Merci. Timothée Lenoir, merci de répondre également à cette invitation de Carrefour Politique ce matin. Alors avec vous également un mot sur le décès d'un grand homme, le cardinal Monsieur Ngo.
Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté. Surtout, comme on a dit, on a eu des personnes qui ont perdu des bases. Et ça montre que la démocratie est allée. Aujourd'hui, tout le monde parle du bien du cardinal. C'est ça la République démocratique du Congo. Je suis chrétien catholique pratiquant. J'ai toujours mon chapelet avec moi. Je suis porte-parole du site Marielle Nzete et Kauka. Là où la Vierge Marie a apparu en République démocratique du Congo. Est-ce que les Congolais vont bien na tuni kaka. Aujourd'hui, le cardinal était très souffrant, il faut qu'on se le dise. Il a été abandonné, il a été rejeté. Si ce n'est que nous, les chrétiens catholiques, on a prié l'Éternel. Tout ça, il n'a pas rosaire, il n'a pas neven, tout canalité. J'aimerais ici, pardon, remercier infiniment. Moi, je suis quelqu'un de très flexible, de très rationnel. Ici, j'aimerais vraiment remercier le président Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso, moi, moi et Bara. Parce que pas Sassou na oyo soko ke folia photo Dakar et puis faut emporter parce que kuna zaka toujours en abondance. Le président Sassou s'est porté garant et a continué avion moko médicalisé. Enfin que les 2-3 jours cardinal Zaki na état moko critique aiba ko bimana mboka pona ba kozala en contact na ba médecin na même. Voilà. C'est la famille la petite, hein, il faut pour la petite histoire. Le cardinal Mosengo, il a fait plus de 10 ans, je crois même 15 ans Zaki na 4 gouvernement il y a 5 sièges. Et il fut le seul noir qui siège, parce que même s'il n'était plus, entre guillemets, je ne sais pas si je faudrait dire en fonction, mais il est resté comme un patriarche dans 4 saints sièges au Vatican. Ça, c'est un détail que beaucoup de gens ignorent. Donc aujourd'hui, le cardinal Mosengo est parti, ce n'est pas seulement perte pour les Congolais, mais ça d'abord perte pour le Vatican, un État dans un État. Malheureusement, mon pays, que j'aime beaucoup la République démocratique du Congo, toyé ba kaba valeur ya ba touté. On est tellement dans la légèreté des langages, on a traité les cardinals de tout, pouvoir passé, pouvoir actuel, jour et nuit ba fin à. Moi je suis de l'Union sacrée, mais nous avons suivi dans des réseaux sociaux récemment avant ça la réchite naé. Il a été traité, injurié et voire même injurié et lundi na cardinal Fridolin. Donc ça veut dire que nous sommes entourés des gens qui ont la facilité des langages, à force à rofinga tata baninga mgomso rofinga pe abino. Mais le plus important, paix à son âme, Dieu a donné, Dieu a repris. Le Congolais, beaucoup peuvent obsèquer, beaucoup peuvent engoter un État dans un État qui est le Vatican. D'ailleurs, pour votre information, c'est le Vatican qui dirige le monde, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire qu'ils vont honorer sa mémoire parce qu'il mérite ça. Il a été un grand mondialement. Okay. C'est une information que je vous donne. Non, non, c'est un fils du pays. Je ne crois pas que le Vatican va prendre en charge les obsèques. La République de Moitié du Congo, papa, il était malade. La tête, le président de la République et le gouvernement. Il faut pas lui passer la parole. Quand il était malade, il a fallu que Brazzaville puisse dépêcher un avion médicalisé. La famille, monsieur. Brazzaville, c'est d'abord un sujet congolais. Nous sommes famille. Nous sommes une famille. Votre propre sujet. Il est encore vivant, il est souffrant. Vous dites que c'est la famille. Les présidents de la République mort, avec Madame Denis Jacquemou. Vous voulez dire qu'on va faire des obstacles. Ils ont essayé de voir les cardinal. Il faut avoir de la honte. Il ne faut pas communiquer aux Timothée le Noir. Timothée le Noir, vous avez la parole. Bon, on va parler quand même, changer le chapitre, bien sûr, pour parler également. Je vous ai vu dans les états généraux de mines et avec un thème, d'ailleurs, j'ai apprécié le secteur minier moteur de croissance et du développement socio-économique en République démocratique du Congo. Ça, il faut dire d'abord que après beaucoup d'années, on a en tête d'un ministère de mine une dame. Il faut en passant quand même saluer Moussa Laya, maman ministre Antoinette Samba, ministre mine au hasard au Sala. Mais ma question quand même, le terrain de mine en RDC reste toujours très attirant, Timothée Lenoir. D'ailleurs, il faut dire qu'il venait de s'organiser ces états généraux-là, que tu étais présent dernièrement. En gros, qu'est-ce que nous pouvons dire de pareille initiative dans un pays comme le nôtre? Bon, écoutez, moi je suis de l'Union sacrée, j'en suis très fier, mais je ne me gêne pas d'être rationnel. S'il faut applaudir, on va applaudir. S'il faut condamner, on va condamner. Aujourd'hui, le ministère des Mines, au travers de Mme Antoinette Nsamba Kalamba, qui est d'ailleurs de l'UDPS, Félix Kaimé doit se mettre à l'aise parce que Mama Zaya Bango y a UDPS. Mais le plus important, tous, nous sommes de l'Union sacrée. Tout simplement, j'ai aimé sa lecture, j'ai aimé son approche, parce que pratiquement après 20 ans, le ministère des Mines a organisé l'État généraux Nango. Et je vous dis que j'ai eu la grâce de bénéficier comme étant participant. Vous comprenez, aujourd'hui, notre seul revenu, c'est le ministère des Mines. Mais seulement ce que j'ai pu constater, je crois, il y a 2-3 points. Premier point rapidement, j'ai remarqué qu'au niveau de la primature, il n'y a pas un accompagnement.
primature est pour accompagner le ministère Yaminte. Parce que comment ça, le ministère des tutelles, tant qu'ils ont levé option à suspendre le moto, bloquer le cadenet outil la primature. Ça veut dire qu'il y a une sorte de confusion. Et là, je ne cesse pas de me dire que, au niveau du gouvernement, il y a un tâtonnement est allé. Parce qu'un ministre des secteurs. Et pourtant, la dame qui a cette volonté de relever le secteur minier. Voilà, une dame qui, comment on dit, elle estime que Moutouana, par rapport à ça, 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 mettez ça des indicateurs, il doit être suspendu pour donner de l'impulsion. Bacha Moutoumoussou, la primature bloque. Et puis, Dédé, j'ai eu à participer à ma panel, et c'est à partir de là que j'ai compris que la République démocratique du Congo, il faut pas faire la mise sur un domaine minier. Je demande vraiment avec tous les respects au chef de l'État, Fatshi Béton, si réellement, si trois fois, il a vraiment cet attachement, cet amour du Congo, de jeter un œil vraiment dans ma Kambouya mine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, fonctionnement, il y a un minerai dans Bissot, Batoiseau bénéficie dans une société privée. Même la société, l'État, ça pose problème. Et puis, il y a un problème des ressources humaines. Ça veut dire que quand on a Bissot, il y a un problème. Oui, bazo tourner ma belle. Oui, bazo bimisa matière première. Ba me mangoti na destination, soit dans le privé tout comme dans l'État, les ressources humaines sont totalement négligées. Et pourquoi ils sont négligés? C'est parce que il y a une distraction totale au travers la classe dirigeante politique en République démocratique du Congo. Mais au travers ces états généraux politiques que je suis, j'ai bénéficié de l'invitation, j'ai compris beaucoup de choses. Je demande au chef de l'État si réellement il veut stabiliser les cadres macroéconomiques en Bokoyo par rapport au contexte politique. Avec la pandémie qui est internationale, et Zosengana, chef de l'État, Acha Misuna Makambuyami, a appuyé cette dame-là afin de donner de l'impulsion à ses ministères, afin de favoriser et de mettre en pratique toutes les recommandations. Parce que j'ai compris que c'est une dame, c'est vrai, elle est de l'UDP, c'est pas un péché, mais c'est une dame qui a une vision, qui a la bonne volonté de donner de l'impulsion à faire décoller les certains minières et puis démocratiques du Congo. Merci Timothée Lenoir. Harrison Gaïmé, le chef de l'État a enfin promulgué la loi portant organisation de la CENI. De nombreuses personnes ont crié à l'empressement, bien sûr, disant non, cette loi vise des positionnements éventuels pour 2023. Avez-vous le même point de vue que ces autres-là? Merci, cher Tony Coco, mais qu'il me soit permis de revenir un peu sur le premier sujet. C'est avec larmes que j'ai entendu mon co-débatteur de l'IDPS. Il taxe mon propos de populiste, de populisme, du théâtre, quand j'essaie d'évoquer le prix des denrées alimentaires. J'ai été très choqué. Nous, les Congolais, certains Congolais n'ont pas le temps d'aller manger au grand hôtel, n'ont pas le temps d'aller manger au même ligne, mais ils n'ont que le temps d'aller acheter dans le marché et le denrées alimentaires qu'on vend chaque jour. Raison pour laquelle, chaque fois quand je viens, je fais un effort de rappeler la décision du Conseil des ministres. Et le monsieur est allé plus loin pour minimiser la teneur ou la pertinence du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est un organe suprême. Nous avons appris de ce Conseil des ministres qu'on va réduire le prix d'un carton de poulet. Et plus d'une semaine aujourd'hui, on ne voit rien, on ne sent rien. Tel est le, je porte à votre attention les inquiétudes de la population, des jeunes comme moi, qui n'ont pas le temps d'aller manger au grand hôtel. Ils n'ont que 10 dollars pour acheter un carton de poulet. Il faut prendre ça en considération et respecter ces peuples-là. C'est très grave. Et je viens encore par rapport à Mgr Moussengo. C'est vrai, c'est un politico-religieux. Il a joué un rôle important dans l'histoire politique du Congo. Quand on parle de Moussengo, on parle de l'histoire du Congo politique, ça s'entremêle. Moussengo a joué un grand rôle, partant de conférences en soi souveraine, même pour la démocratisation de ces pays. Moussengo y était pour beaucoup. Moussengo a tout donné pour la République. S'il n'a pas donné au niveau religieux, peut-être au niveau politique, il a tout donné. Mais grand est mon étonnement de constater qu'à la fin de ces jours de Moussengo, et c'est Brazzaville qui a dépêché un avion médicalisé pour ramener ce dernier à Paris afin de rencontrer ses médecins. Alors que c'est au Congo qu'il a tout donné. Bien que Congo et Brazzaville, nous sommes famille, comme tu as bien dit, mais c'est d'abord un sujet congolais. Il a beaucoup donné pour le Congo. Mais maintenant, vous allez voir, on va défalquer un montant important, colossal, pour les obsèques de Moussengo. Quand il était vivant, on n'a pas dit capitaliser. C'est Brazzaville qui, en effet, est béni de ces derniers jours. Donc, il faut honorer les gens quand ils sont encore vivants. Les jours, comme Joseph Kabila est encore vivant, il faut l'honorer à cause de l'alternance. Le jour ne sera pas là, vous allez commencer à défalquer des fonds importants. Etienne, tu sais, vous l'aviez honoré. Je reviens
Etienne Tshisekedi, vous l'aviez honoré. Pour votre gouverne, vous le savez, à chaque il fois. Il était en résistance surveillée là-bas, monsieur. Etienne Tshisekedi était malade. Jacques Etienne Tshisekedi était l'époque, en résistance surveillée. Vous l'aviez pour honoré. Les soins médicaux d'Etienne Tshisekedi. Consultez tout le monde. Ça, c'est prouvé, c'est démontré. C'est du mensonge, monsieur. Ça, c'est vrai. Il alors, était en résistance surveillée. Dernière fois qu'il était en Belgique, il ne pouvait pas se déplacer. Présidence de la parce République, que vous ne voulez pas que je puisse avoir les soins médicaux. Il avait envoyé un émissaire pour émettre un montant au sphinx Etienne Tshisekedi pour se faire soigner à l'extérieur. Mensonge. Renseignez-vous. Évolue. Je reviens par rapport à la. Il était ancien premier ministre. Il avait droit à tous les avantages. Si vous plaît. Et ce n'était pas pour vous venger que vous avez donné cet argent-là. Pour le traitement des sphinx Etienne Tshisekedi. Renseignez-vous. Je reviens par rapport à la loi. Mensonge. Vous savez, nous avions voté cette loi à l'Assemblée nationale. Nous qui, nous le député, nous, le PPRD, nous avions voté. Raison pour laquelle la loi a été passée. Il n'y avait pas eu de blocage. Nous avions voté. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait glissement 2023. Nous ne voulons pas qu'il y ait une raison pour dire qu'on n'avait pas voté la loi portant organisation de fonctionnement de la CENI, raison pour laquelle on n'a pas pu organiser les élections. Nous avions fait, nous avions voté. C'est ça le problème. Première observation. Deuxième observation. Nous sommes d'accord que nous puissions continuer avec les consensus. Il ne faut pas négliger les cahiers des charges de la MUCA, de d'autres compatriotes, parce que la majorité... Dans une démocratie, il ne faut pas simplement écouter la voix de la majorité, mais il faut aussi écouter la voix de la minorité. Tu deviens les porte-parole de la MUCA aujourd'hui. La minorité ici, c'est en effet la MUCA. La MUCA a un cahier de charges. La MUCA estime que nous devons approfondir dans les consensus, dans les vous changes, vous étiez pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il n'y ait pas de fraude, pour qu'il n'y ait pas de boycott. Pourquoi vous ne voulez pas rencontrer les cahiers de charges de la MUCA? Pourquoi vous ne voulez pas élargir le débat? C'est de ça que vous aviez parlé à Kinokati. Pourquoi vous ne voulez pas écouter ce que la MUCA a à dire? C'est de ça que vous aviez parlé à Kinokati. La loi est bonne, mais il faut continuer le consensus, l'échange entre les acteurs politiques, parce que c'est un instrument qui va nous réunir tous afin d'aller aux élections. Tel est notre avis. Merci. Merci. Alors, Félix Aimé, vous avez la parole. Et pendant ce temps, d'ailleurs, Aristote Gaimé parlait de la plateforme de l'opposition, la MUCA. Qui continue à décréter son mépris d'ailleurs vis-à-vis à toute initiative, il faut rappeler, d'une CENI politisée. Alors, cette CENI sera-t-elle politisée ou non politisée? Écoutez, avant que je ne réponde à la question, je vais dire à mon ami, chaque ministre dans son secteur amène des discussions au niveau du Conseil des ministres. Après avoir discuté et tout, dès que le Conseil des ministres est d'accord sur un sujet, dans un secteur ou dans un autre, il doit y avoir un arrêté. Et quand il y a un arrêté, on doit passer à l'application ou à l'applicabilité de cet arrêté-là. Ça, tu dois le savoir. Je le sais. Et donc, il ne faut pas mentir. Vous avez anticipé alors pourquoi? Merci. Au Conseil des ministres. Avant que nous puissions trouver une résolution, il faut que nous discutions. C'est après la discussion que l'on trouve maintenant une résolution. Et annoncer déjà le prix. Vous avez déjà annoncé le prix. Deuxièmement, je ne veux pas que nous puissions passer ici pour les menteurs, comme des menteurs. Jamais. Dans ces pays, l'Église catholique n'est pas négligée avec l'actuel pouvoir. Vous savez, mon cher ami, les gens qui sont en train de parler comment est-ce que la République démocratique du Congo n'a pas disponibilisé l'avion médicalisé, tandis, je te rappelle, que ce sont les garimes ici qui ont saccagé l'Église catholique. Ce sont les garimes ici qui ont tabassé les prêtres. Aujourd'hui, pince sans rire, il monte au créneau pour dire, écoutez, vous n'aviez pas fait. Mais je vous rappelle, l'Église catholique, même là où Laurent Mosengo disait sa messe à Notre-Dame, vous, votre groupe du PPRD, monsieur, Béret Rouge et autres, vous aviez saccagé, vous aviez même détruit certaines paroisses. Et les voilà, maintenant, ils montent au créneau pour nous dire, ici, comme un petit sorcier, mais il n'est pas sorcier, mon ami, en train de dire, vous aviez négligé Mosengo. De son vivant, monsieur, vous l'aviez tué déjà avant qu'il soit mort. Vous aviez oublié cela? Je vous rappelle, vous aviez gazé les prêtres. Rossi Moukendi et les autres sont morts. C'est sous votre régime. Vous devez avoir honte, monsieur. Je disais ailleurs, les gens comme vous là, vous devez vous taire pendant 50 ans dans ce pays et revenir après pour parler. Et pourquoi? Parce qu'ils ont tellement mal fait dans ces pays, ils n'ont aucune leçon à nous donner. Écoutez, ils ont tellement mal fait. Quand Mosengo nous dit
Nous ne sommes pas en prison à ciel ouvert. Il le disait pourquoi? Il le disait pourquoi? Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mon mentor à moi, était cloué dans sa maison. Il ne pouvait pas sortir. Je vis son fils Félix à l'époque encore, secrétaire national. Devait se déplacer pour aller rendre visite à son père biologique. Ils ont refusé ces gens ici. L'ITT, son leadership, son pouvoir, il a dit, je vais chez nous, je vais aller voir mon père. Écoute, ce monsieur, vous devez avoir honte. 30 secondes, vous avez 30 secondes, cette CENI sera-t-elle politisée ou non? Mon cher ami, la CENI est dépolitisée. Ça, il faut le dire. Pourquoi? Parce que les gens doivent savoir une chose. Lorsque on nomme un membre d'un parti politique à la CENI, lorsqu'on nomme un membre de la société civile à la CENI, d'office celui-là ou celle-là qui sont nommés, cessent d'être opérationnels ni actifs de leur parti politique, ni au niveau de la société civile. Et ils deviennent indépendants. Ils n'ont pas droit à s'ingérer dans les affaires de leur parti politique ni de la société civile. Et donc aujourd'hui, je me dis, la CENI est dépolitisée. La simple question que nous devons nous poser aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas respecté la procédure de l'Assemblée nationale? On a traité la question de la loi organique sur la CENI, la fonctionnalité de la CENI. On arrive au Sénat, on a traité la question. On envoie cela à la résolution au niveau, je veux dire, de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui est... La Cour des cours a regardé, a étudié la constitutionnalité, a trouvé que ça valait la peine. On envoie chez le président de la République pour promulguer. Écoute, ça pose problème aujourd'hui. J'entends, dit notre oreille, lorsque notre ami Aristote, en train de défendre aujourd'hui, pince sans rire, la Mouka, il devient le porte-parole. Oui, c'est parce qu'ils se sont rencontrés à Kingakati. On sait déjà que vous êtes ensemble. Et vous devez savoir une chose, mon cher ami. Aujourd'hui, il ne faut pas être ni mi-ange, ni mi-démon. Par la simple raison, nous avions voulu avoir les élections en 2000, ou nous voulons avoir les élections en 2023. Mais pourquoi, si on a voté la loi, on a promulgué la loi, pour que ça donne une feuille de route alors à la CENI, et commencer maintenant à préparer des choses pour que nous puissions avoir les élections en 2023, ils commencent à créer des soubresauts. Merci. Le problème, c'est quoi? Ils ont le syndrome de la citadelle assiégée. Et donc, ils ne veulent pas qu'il y ait déjà la personnalité de la CENI pour qu'en 2023, nous puissions avoir les élections par la simple raison qu'ils n'auront pas même deux députés, trois députés dans leur camp. Merci. Monsieur Gédéon, salut à moi, remarque, mon quoi, moi, français, qui m'a cassé, na plateau, hein, tout mes gars, c'est-à-dire, c'est pas, yo, mon côté, hein, bah, oui, son yo, sur le plateau, tout mes gars, tiens, moi, linga, là, bah, tout ça va comprendre. Mais tout le monde, et puis, monsieur, c'est lobby qu'il faut d'abord. Recensement avant qu'il y ait une élection. Très important. Alors, selon vous, quelle est la bonne procédure qui n'exigerait pas beaucoup de dépenses? Recensement d'abord ou non? Bon, il faut reconnaître que le recensement ou encore l'identification des Congolais, c'est l'un des principes de l'existence d'un État. État existe à Kaka, Kasoki, Toyebi, Congolais, Bazali Boni. Avantage n'angwa liboso, il faut te dire que na cadre macroéconomique, ezali ko permettre biso toyeba comment lutter contre la fraude. Ezali très important. Likambo mususu ezali que moi je n'aime pas que des questions comme ça qu'on puisse un peu politiser ça. Le recensement vaut la peine. Il faut te revenir à ba congolais ezali combien. Pour na koyeba yango, il faut identification d'abord. Il y a une différence entre identification des Congolais parce que ce n'est pas normal que tout un État que nous appelons un pays qui aspire à un État de droit, qui est le socle de la démocratie, et qu'on ne connaît pas qui est Congolais mais qui ne l'est pas. Ça pose problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour la même Koyeba, donc le produit brut des Congolais, ça pose problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de gérer par illusion 80 millions. 100 millions, c'est par illusion. Il faut effectivement qu'aujourd'hui, parce que nous voulons construire un pays qui aspire à un état de droit, qu'on puisse connaître nous sommes combien de Congolais. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas
ça ne doit pas être une conditionnalité pour l'organisation des élections. Aujourd'hui, la technologie a un peu développé. Il y a lieu qu'on puisse organiser le recensement ou l'identification de la population. Et en même temps, donc, arriver, il semble que les techniciens ont déjà étudié cette question pour dire que avec, dans une année, c'est possible qu'on puisse arriver. Mais je voudrais quand même parler de quelque chose de très important parce que Timothée a lancé un débat sur la croissance pour la diversification de notre économie qui va permettre la création d'un. Je reviens à vous puisqu'il est exactement dans quelques petites minutes, il sera 11h juste à Goma, mesdames et messieurs, merci de rester fidèles sur nos antennes. On va parler dans la deuxième partie, puisqu'au Parlement de la RDC, des documents ont déjà été déposés comportant la proposition de loi sur la nationalité congolaise. Alors, il faut dire que toute la République ne respire plus qu'au rythme de cette notion qui implique, mesdames et messieurs, vous avez pour les personnes brigands à des postes de responsabilité régaliennes. On va tout simplement d'être de père et de mère congolais. Nous évaluons les forces et faiblesses à entrevoir autour de cette question congolité, quelles sont ses forces et faiblesses? C'est la deuxième partie. Après, le point sur l'actu, la lecture faite ce matin par Christian Moses Masunga. Je vous retrouve juste après. Bon plateau, chers invités, merci de continuer à nous suivre. Merci également à Christian Moses Masunga pour la lecture de l'actualité. On retrouve également nos invités. Monsieur Gédéon Colella, vous avez la parole. Oui, je parlais de sujet que M. Timothée a soulevé, dont on parle de la croissance pour la diversification de notre économie à partir des mines, bien entendu. Donc, on a toujours eu des états généraux des mines depuis la nuit du temps. Donc, ce n'est pas la première fois. Mais le problème, c'est que ces secteurs souffrent un peu des déficits de l'appropriation de la législation minière. Depuis Mobutu, il y avait au moins du respect, vous allez trouver qu'il y avait au moins 48 sociétés minières, mais qui répondaient quand même, parce qu'à ce moment, depuis 1983, on avait des régimes minières. Il y avait le régime général de droit commun et le régime conventionnel par dérogation. Donc ces régimes-là, on a supprimé les régimes général, les régimes plutôt conventionnels par dérogation pour maintenir les régimes généraux des droits communs. Et depuis ce temps-là, le régime Kabila n'a jamais respecté cela. Raison pour laquelle vous voyez que tous les actifs miniers, c'est-à-dire l'élément économique, ont été hypothéqués par le bailleur de fonds, les multinationales, qui à un certain moment, tous ils ont reconnu des caractères léonais. Donc, et pourtant, ce qu'il faut que je demande à la dame, c'est que des contrats ont été passés entre l'État congolais et l'État, et les multinationales. Et pourtant, les contrats devraient être passés entre les entreprises publiques de l'État pour le redimensionnement, l'amélioration, et l'efficacité de la responsabilité. Ça, c'est un message adressé à la ministre de Mines. J'ai dit ce qui devrait d'abord être fait et ce qu'il doit faire. Donc, un état de droit doit respecter les règles de droit. Parce que le régime Kabila a transformé cette dimension de promotion des partenariats publics et privés. Donc, il venait pour répondre aux défis qui empêchent le Congo d'avoir les infrastructures routières. Donc, la construction des écoles et tout ce que le président de la République. Donc, ça devrait se passer entre l'AGEKA Mines et le bailleur de fonds, les entreprises. Lorsqu'on parle de bailleur de fonds, ici, on voit les institutions financières au niveau international qui sont accompagnées par les multinationales, c'est-à-dire que tous les opérateurs économiques, ils sont toujours encadrés par leur pays, donc pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et les investisseurs, ceux qui négocient les contrats. Donc maintenant, écoutez, qu'est-ce qui s'est fait? On nous a balancé quelque chose qui vient, je ne sais pas si de l'enfer, pour nous parler de joint venture. De joint venture, les régimes de l'époque a demandé que cet argent qui pouvait aider aux constructions des écoles, à la redimensionnement de la société, pour améliorer les conditions de vie des travailleurs,
Donc on dit, leur a dit, donnez-nous cet argent, nous-mêmes nous allons construire les routes. C'est pour ça, vous voyez qu'avec les 5 chantiers, les choses n'ont pas marché. Les routes n'ont pas été construites et les sociétés sont devenues les canards boités. C'est pour ça que, donc nous, on a publié en 2012-2013 pour dire qu'il y a l'arnaque. À ce moment-là, Yuma avait défendu. Aujourd'hui, je suis content que Yuma nous a rejoint. Donc, c'est-à-dire que ce secteur-là, effectivement, c'est une vocation de la RDC qui permet que nous ne puissions pas dépendre du PIB mondial comme c'était en 1969. Moi, ce que je demande au ministre, comme vous avez l'occasion, vous avez reçu l'invitation, c'est que, donc, il n'y a pas l'engouement. Quoi, quand bien même on parle des nouveaux codes miniers, c'est parce qu'il n'y a pas un code d'investissement avec des dispositions libératoires, donc, qui doivent permettre à compléter plutôt la réussite du développement de la République démocratique du Congo. Donc, c'est un secteur, effectivement, qui peut nous amener loin, mais qui est aussi plus dangereux. Mais je voudrais aussi intervenir. Je vois ici les gens, vous savez, il y a des sujets... Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Ok, il y a des sujets trop techniques. Ici, il y a un problème. La réglementation de prix, c'est un instrument de l'État pour régler la vie économique et sociale. En appliquant l'un des systèmes de fixation des prix économiques. Pourquoi ? Parce que l'activité économique tourne tout autour de l'argent. Il y a la controverse entre les consommateurs qui veulent avoir le pouvoir d'achat et l'opérateur économique qui vise les ligres. Raison pour laquelle le prix est au pivot de la politique gouvernementale. Et la stabilité des prix, donc, est tributaire de la crédibilité de la politique du gouvernement. Nous avons un système économique de fixation des prix qui est un système concerté et contrôlé. Donc, c'est-à-dire que l'État congolais, en dernier ressort, après avoir se concerté avec le bailleur de fonds, et tout en sachant qu'il doit faire les contrôles en amont tout comme en aval, c'est lui, en dernier ressort, qui fixe le prix. Alors, penser autrement, ça relève que de la mauvaise foi et de l'immaturité politique. Parce qu'il faut être capable. Et c'est une question spécifiquement des juristes des entreprises que nous sommes. Donc, et Karine, il connaît, j'ai déjà débattu avec lui. Donc, s'il veut avoir beaucoup plus de matière, il n'a qu'à me consulter. Mais ça ne sera pas gratuit, il doit me payer. Donc, alors, il faut savoir qu'il y a des questions que nous pouvons venir faire le populisme, mais il y a des questions qui sont donc techniques. Très rapidement, Risson Garimé, juste une petite réponse, parce que nous allons... Écoutez, pourquoi il doit d'abord savoir sujet. Il doit d'abord savoir. Lorsqu'on laisse la population entre les mains des opérateurs pour qu'ils fixent les prix, je vous dis qu'il y a d'abord les criminels économiques. Il y a les criminels économiques. Qui sont acceptés par les mêmes l'État. Mais l'État voilà. Est en train de travailler pour réguler les prix. Il y a les criminels économiques. Voilà. Et les jours où ils seront poursuivis, c'est lui qui dit là, on va encore crier à l'acharnement. Donc, deuxième spécification qui est objectif pour la réglementation des prix, donc c'est un instrument du pouvoir public pour... Donc, essayer un peu de discipliner les opérateurs économiques, donc de maintenir ou encore de conserver l'intérêt des autres, sanctionner les actes. Voilà. Mon frère, S'il vous plaît, monsieur Gédéon, vous avez 5 secondes, s'il vous plaît. Allez, j'ai dit pour l'État conclure. Est dirigé sur base des règles de loi. Lorsqu'on fait faire un débat, donc d'une manière rationnelle, on doit d'abord se poser la question, qu'est-ce que la loi dit? Ici, je suis en train de défendre pas un camp contre un autre. Je suis en train de défendre l'État congolais. C'est la même loi. C'est la même loi, chers compatriotes, qui laisse tous ces opérateurs prendre le sujet. Non, c'est que vous produisez des dispositions de loi. Chers compatriotes, j'ai donc collé là. Les lois République démocratique du Congo, ça prend mal à la tête. Ça prend mal à la tête. Ça n'a pas intérêt pour la République. Gagnons les camps, il y a de la matière, mais je pense que nous allons répondre par rapport à cette question. Chers, j'ai donc collé là.
La maman qui vit à Malueka, la maman qui vit à Tchango, qu'est-ce qu'elle a à voir avec vos mots techniques? Cette maman-là qui est à Malueka, qu'est-ce qu'elle a à voir de vos techniques ici? Cette maman-là, elle a appris à la télévision, monsieur, que désormais un carton de poulet, ça sera 10 dollars. Qu'est-ce qu'on a à voir avec vos techniques? Le conseil des ministres, il faut dire Balinga là. Conseil des ministres, c'est le lien sain, il y a gouvernement. Bafandi, Balobi que désormais, carton, il y a Soso et commis à 10 dollars. Balobi bongo, Balobi et Kokoma. Maman, qu'est-ce que nous avons fait? Conseil des ministres, Balobi et Kokoma, Balobi qui est comité. Attends, Félix, réfléchissons. Réfléchissons vraiment d'une manière terre à terre. Avec les lois. Non. Avec les règles. Moi, je suis scientifique. En République démocratique du Congo, combien de temps soit valoté? Un scientifique doit respecter. Gagnons l'État, nous perdons l'État pour rien. Aucune activité. La loi est à République démocratique du Congo. Laissons les messieurs parler. On doit perdre la loi est à République démocratique du Congo. Prenez ça comme vous voulez, c'est la démocratie. La loi et la République démocratique du Congo, elles ont sécurisé la population, elles ont sécurisé Mbokate. Je vais vous dire une chose. Au niveau du gouvernement, ça dit réunion. Entre guillemets, soi-disant, le Kita. Sans pour autant consulter FEC. Voilà. Dites-moi, quel a été le premier discours des membres? Qu'est-ce que la loi dit? Je n'ai pas fini. Nous, qu'est-ce que... Mais mon frère, comment tu en parles? Tu as beaucoup parlé, laisse-moi aussi parler, collègue. Parmi les grands titres, ma paragraphe familial et Fatih Beton, le discours on a Liboso. Ça veut dire que le chef de l'État avait un rêve comme Martin Luther King, de faire de l'homme politique congolais un millionnaire, un milliardaire. Non, un millionnaire, un milliardaire. Nous avons quelqu'un de bien là, à Saint-Abisso, à Port, à aider Mbougan Magabele, Lédia. Aujourd'hui, il est étouffé. Nous avons la Sonance, j'en arrive. Nous avons la Sonance, Société Nationale d'Assurance. Depuis 64 ou 69, la Sonance est créée. Mais aujourd'hui, vous avez des assureurs libanais. Vous avez des assureurs indiens. J'arrive. Non, de ce que nous parlons, ça veut dire que aujourd'hui, le loco qui t'a pris a une seule condition. L'État, c'est la conséquence et rationnelle à son affaire. Parce que dans 4 affaires, tu ne retrouves même pas 10 Congolais qui sont millionnaires dans le monde des affaires qui peuvent sécuriser des théories, des théories, des théories, des lois, des lois. Merci. Félix Kaimbe, vous avez la parole. Merci, Tony. Mais très rapidement, il faudrait aborder le sujet. Très rapidement, j'ai dit ceci. Il y a la loi économique qui vous dit. On ne peut pas aller au-delà des 30% des marges bénéficiaires. Personne ne peut me contredire sur ce point-là ici. Et lorsque un opérateur économique achète la marchandise et fait au moins les bénéfices à 200%, on est en train d'escroquer la pauvre population. À qui la faute? Non, écoutez. Allez-y. Lorsque l'État congolais. Lorsque l'État congolais vient. Toi, Congo, l'équipe, non, écoutez. Toi, Nabi, sur les achats. Mais vous dérangez. Vous ne parlez pas des choses à l'air. Tony, protégez-moi. Mais alors, le Congo, tout ça, là-bas, tout ce qui a quelque chose, ma bilan qu'on a, a causé la taille 200% à bénéfice. À qui la faute? Si quand l'État congolais a eu Koloba, et Sengeli, total à ma campagne, pour tout réguler, Yango. Parce que l'attribution à l'État congolais, à Zali, on a pour à réguler, prix, il y a bilan qu'on a Kosomba. Pour population, Bali, Baïté, Européen, Kosomba, a perdu le monde, on a été. Car si Nenge, Batoba, Koloba, Awa, Lukuta, Mounen, Balobi, le conseil des ministres, Kuna, Babimi Balobi, Bandal et l'obligé Kokiti. Lukuta, Balobi n'est pas en athée. Balobi qui est Biloko et Kokita. Tango Baké Kuna na Mibi. Batali Biloko, Pia Biloko. Batali Batat, la TVA. Bakit l'État congolais à Kisiango. Et de la Kina 16, Bati Ango le Lona 8%. Batali côté à douane, Bakiti si douane. Balobi si koyo, Zela. Balobi si koyo, Nenge Tosali Moussala Wana. Nenge Bako Soma Biloko, Kuna Basomba Kaipa, les grands fournisseurs, Bako Kosande Congolais. Biloko et Kokita, si koyo, Tokota, Namasolo, pour que nous puissions discuter
avec la fête. Avant qu'on discute la fête. L'État congolais a bien mis sa preuve na ye. Alors bien tala ici que la Kendaki na zui ba prix réel sur les marchés, ba prix en goyo. Mais bino bino ko côté ka awa, en trois côté na talo mingi. Nde fait ka lobité et sengeli to yo kana. Au moins ba opérateur économique, bazali kuna po bazo ba bénéfice. On dit ils sont là pour se faire des bénéfices. Ce sont des capitalistes. Ba ko solo la nenge to solo ba boye, de façon que ba yo kana bino ko kita. Na lobi bino ko kita. Talana nundeko leko toko le baboye masango si ekiti biloko msuzo zo kite malembe malembe. Ok, merci. Si kotanga toko mitia esi kamoko bakosa la ba bena kala concession na biloko kokita batomi bale oye bako kosa. Voilà, on va parler de cette affaire. Non, Tony, désolé. Sujet congolité, Zan, mais en tout cas, toi aussi, ça n'a pas cambo. Non, c'est moi qui présente l'émission. Tu as tout à fait raison, c'est toi le coach. S'il vous plaît. Félix Kayembe, c'est un scientifique. Félix Kayembe, c'est un monsieur qui fait la fierté de lui. Et il a fait l'économie. Et puis, c'était l'économiste bien aguerri. Quand il est dans ces histoires, moi, je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis de l'Union sacrée comme lui. Mais tout en état rationnel. Là, il faut applaudir, on va applaudir. Là, il faut qu'on aime. Monsieur Collet, là, il y a un principe. Ouais. Le gouvernement ne pouvait pas entrer. Le principe, c'est les lois. Quelle loi? Tu sais quoi, ma loi? Le gouvernement ne pouvait pas entrer dans les blablabla. La loi parle dans son article 6. Dans les blablabla, sans pour autant harmoniser avec la fête. S'il vous plaît. C'est ça le principe. S'il vous plaît. Nous allons prendre le sujet du jour. Nous allons respecter le conducteur de l'émission, même si vous allez quand même essayer de ramasser encore ces sujets. Mais il faut quand même respecter le téléspectateur, puisque là, on va parler de cette affaire. Maître Généon, vous avez la parole. La République vibre aujourd'hui au rythme de questions d'identité congolaise, de la nationalité congolaise, de la primauté de la nationalité d'ailleurs congolaise. À vos yeux, c'est bon ou mauvais? Je vais répondre à cette question. Ah, vous allez encore revenir au débat. C'est très important. Nous n'allons pas évoluer bientôt, nous allons finir. C'est une question qui est liée à l'amélioration des conditions de vie de la population et très importante. Donc, je voudrais que... En Lingala, c'est mieux. Ok. Ndekonanga Timothée n'a respecté Kayemingi. Je ne pouvais pas penser que Timothée, sur ses plateaux, pouvait se comporter comme un homme sans scrupules. C'est-à-dire qu'il refuse qu'on applique les règles de loi. Donc, s'il me disait même qu'il faut qu'on crée un écosystème pour engager des réformes prioritaires, ça va apporter rien. Je pouvais... accepter. Mais refuser que le pays ne peut pas être dirigé sur base de règles de loi, en tout cas, je ne me retrouve pas. Qu'est-ce que l'article 7 dit? Le ministère ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix, ainsi que la marge bénéficiaire maximale autorisée aux commerçants autres que les professions libérales. Ça, c'est l'article 7. L'article 10. Dans une situation de crise, de calamité naturelle ou de circonstances exceptionnelles provoquant ou menaçant de rompre l'équilibre du marché par une désorganisation des capacités d'approvisionnement, tous les stocks des produits, les gouvernements paient sur proposition du ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions réglementer les prix de biens et services. Voilà pourquoi nous, l'éclectique, parce que nous n'avons pas une couleur politique, nous vous amenons dans les règles pertinentes de loi. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise que le ministre a une prérogative. Après, le contrôle, il faut trouver que le carton et Thomson et Somba Makana moins de 5 dollars dans Namibie. Ce côté va charge nyonso. 2.5. Donc, ce côté va charge nyonso, carton, ils ont comme awa à peu près à 7 à 10 dollars. C'était des calculs qui ont été faits conformément aux règles de loi. Merci. C'est comme ça qu'on va fixer ma prix. Donc, réfléchir autrement, c'est comme j'ai dit, ça relève que de l'immaturité politique. Alors. Je m'arrête là.
Alors, sur l'identité congolaise, si le rythme, c'est bon ou mauvais? Bon, le rythme, bon ou mauvais, je pense que, je l'ai toujours dit, nous sommes dans un pays qui aspire à un état de droit. Et, l'état de droit, c'est le socle même de la démocratie. Et il faut relativiser cette question. Ce n'est pas une question qu'il faut traiter avec l'émotion, avec des sentiments. Et surtout, je demande beaucoup plus à ceux qui sont en quête de remoulage pour les miettes, de pouvoir mettre de l'eau dans leur vin, parce qu'ils trouvent l'occasion pour eux d'avoir un peu de billets pour parfois faire la mégalomanie de certaines sources bien identifiées. FCC a lobby à Kotia, à Moyen, Angers, à lobby à Koubizé, à député. J'arrive. Bah, sinon, nous devons évoluer parce que l'heure. Oui, il y a un enjeu là-bas. Pour faire échec à la loi Tchani. Qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que la Constitution dit? Parce que c'est la loi même. Écoutez. La nationalité congolaise est une. Article 10 hein, de la Constitution. Est exclusive. C'est-à-dire qu'ici, au Koyoka Peke, la nationalité congolaise est jalouse. Au Koki Koteni, Trangomi Balete. En même temps, on a français. Nazo Kabatunsu Balobi, Netumuniga Namokazu. Nanazana Banaba Milatre, mais dans l'entretemps, Banouana Bazaba français. Ok? Bazaba français, mais Ningi Bazala. Or, la loi dit qu'on ne peut pas. Donc, il y a un passeport, il y a un lingana, il y a un lingana, il y a bien. Donc, il y a une nationalité, il y a l'été, dans y a un congolais. Vous allez vous créer trop de problèmes inutilement. Non, non, moi je ne vais pas me créer. Si toi tu veux me créer des problèmes. Évoluons, évoluons. Quand vous utilisez vos gros mots là, vous les pesez pas. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Confusion totale. Nationalité congolaise. Et soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Ça, c'est les Congolais d'origine. Toute personne. Je vais répondre à cette question, s'il vous plaît. Toute personne. Je vais répondre. Je vais répondre. S'il vous plaît. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous agitez? Non, allez-y, évoluons. Contre la loi. Il nous reste 5 minutes. On n'est pas dans la liberté pour toi. On parle de quelque chose comme ça. Non. Je ne peux pas donner des cours comme ça. Arstote, il ne peut pas qu'on parle de quelque chose comme ça sur les plateaux. Personne n'est agité. Il y a un problème. Il faut se retenir. Tolérance, s'il vous plaît. Si moi j'ai suivi bien Tchani, sans pourtant avoir cette attitude de la menace d'anthropologie et de l'épuration ethnique des Congolais sur leur propre sol, tel que je vois qu'on a fait cette campagne médiatique, je pense que Tchani parle de verrouillage, de verrouillage plutôt, na accession, y a fonction, y a président de la République. Ça, c'est un. De deux, Tchani a parlé de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Qu'on puisse avoir des modalités, comment un Congolais, donc le quoi, Rwandais, il ne peut perdre cette nationalité. Voilà la question qui doit être débattue au niveau du Parlement. Mais maintenant, le problème, c'est que il faut qu'il y ait des conséquences. La nationalité, c'est un principe du droit public international qui s'applique à une entité physique ou morale. Et que la loi ici, donc on ne peut pas dire que quand tu es nationaliste et quand tu as cette nationalité, au coquille qu'on sale la mboka na yo kaka so comme président de la République. Non, tu peux être commerçant, tu peux être donc bourgmestre, tu peux être, mais quand ton poste de régalien, il faut que tout se rassurer. Parce que pourquoi? Je vous ai dit que ça donc cela dépend même de l'existence de la souveraineté d'un État. Merci. Parce que aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes pour la pub. Hein. Exactement. Rapidement, Harrison Yahimé. Oui. Mais, Batia politique est belé, Bazo Boya, Nikamu Tchani a proposé Nikamuna loi Wana. Alors, ça présente quel point fort? Bon, Ndeko. Naloba lingala. Lingala. Yaliboso, c'est avec énergie et avec autorité naliko détruire babiloko oyo ndeko ko détruire avec des lois, avec des règles de loi. Alors belinga les lois, kaza ko tangela loi. L'intelligence c'est une femme prostituée. Elle ne vit pas seulement chez vous. Okay. Elle peut vivre chez tout le monde parce que c'est une femme prostituée. Allons-y. Je vous lis la loi. Allons-y. Je vous lis la loi numéro
numéro 18/020-19 juillet 2018 relatif à la liberté des prix et à la concurrence. L'article 6. Article 6. Ouais. On le boycottanga. Quand on est en train de se battre, on est en train de se battre. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Intelligence ali mwasi ya ndumba afin de réparer moto nyoso. Article 6 et le biboué. Le prix des biens et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable, mais doivent, après qu'ils aient fixé, être communiqués avec le dossier y afférent au ministère et à l'économie nationale dans ses attributions pour un contrôle. Ok. Pour le contrôle. Non, non, non. C'est ça que l'on a écouté. C'est la thèse que Timothée a dit. Il fallait écouter la FEC. Cette disposition protège le partenaire, protège la FEC. La FEC a un cahier de charges. La FEC s'est référée par rapport à cette disposition pour donner un cahier de charges. Il devait d'abord se fixer afin d'accoucher à un prix mutuellement acceptable. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, retenez ce que je vous dis, monsieur. Non, à la fin, que tu as dit contrôler. L'article 6, avant de contrôler, avant de contrôler, il faut d'abord écouter la FEC. Ce que vous n'avez pas fait, et il faut retenir ça. Harrison Gaïmé. Je l'ai dit par rapport à la loi. La très rapidement, très rapidement. Mais là, tu n'as rien dit, tu n'as pas convaincu. Je lis la disposition. Je lis la loi. Si vous n'avez pas... Tu as mal interprété la loi. S'il vous plaît. Parce que les contrôles reviennent au ministère des tutelles. Je reviens encore par rapport à la congolité. Ça, c'est une loi dangereuse. C'est une loi qui divise. C'est une loi discriminatoire. C'est une loi qu'on doit écarter. Il faut que Noël Tchani et son ami Pouloulou puissent aller retirer calmement cette loi à l'Assemblée nationale et déchirer cette loi. L'expression la congolité, certes, tirée de ivoirité, parce que vous rappelez, monsieur, laissez-moi vous expliquer. La congolité, certes, tirée de l'ivoirité, nous connaissons la scène, nous connaissons le contexte, nous connaissons tout ce qui est lié. D'abord, il faut aussi rappeler à Colella, parce que lui prétend nous parler de la loi. Je rappelle que l'intérêt, c'est une femme prostituée, encore une fois. Quand on parle de la nationalité, cette matière de la nationalité est régie par la loi numéro 04/024 du 18 novembre 2004. 12 novembre. 12 novembre 2004. Et dans cette loi, on scinde de deux catégories de Congolais. On parle des Congolais d'origine et des Congolais d'acquisition. Et dans la catégorie Congolais d'origine, il y a encore trois catégories de Congolais. Première catégorie, ce sont des catégories de Congolais d'origine, Congolais d'appartenance. Ça veut dire quoi? Ceux dont les groupes ethniques étaient ici avant les 1960. Et deuxième catégorie, c'est la catégorie d'affiliation. Si votre père, votre mère est Congolais et que vous êtes né sur le sol Congolais, d'office vous êtes Congolais d'origine. Ça, mais je vous dis, lisez la loi, monsieur. Harrison Gaïmé, merci, puisque là, il est l'heure de la pub. Il y a également les Congolais par présomption. Je vais encore y revenir pour expliquer à mon ami. Nous allons également prendre dans le lot des instruments juridiques qui donnent la jouissance même d'une nationalité. Il existe aussi le droit du sol. Et qu'on appelle également Ius Soli. Non, chez nous, ça n'existe pas. Il y a également... Ça existe, monsieur. Ça existe, c'est le voilà. Qu'on appelle Ius Soli. Nous sommes suivis par la prostitution. Il ne faut pas dire ça comme ça. Il ne faut pas dire ça. Il y a des Congolais par présomption de la loi. Il existe également le droit de sang. Il y en a. Donc, il y a. On va revenir. La page publicitaire et puis nous allons continuer. Fosin Gembe, Congo Dialogue, 100% canote. CongoDialogue.com. Il va le faire, ça m'a fait un Gembe.